c'est pas facile de dire Guagasole, de parler Guagasole. Guagasole, c'est un monument qui parle, c'est un leader irremplaçable dans la vie du pays. C'est quelqu'un qui va rester dans nos cœurs. Il y a 72 ans, un jeune de moins de, 20, de 30 ans qui a lutté pour l'indépendance du pays, et qui a sauvé le pays, qui a sauvé le peuple burundais jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Donc c'est une grande chose qui devrait être un exemple pour tous les jeunes, pour qu'ils puissent vraiment hériter par exemple son discours. S'il y a les moyens d'enseigner son discours à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, tout est là. Toute la vie du pays est là, dans son discours. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'il a été pour l'indépendance, mais on est toujours très loin de son idéologie. On est vraiment en dehors de son idéologie. Mais en tant que Burundais, en tant que jeune, je pense qu'il y a l'espoir. L'espoir est là. Il faut toujours lire, il faut toujours écouter son discours et puis essayer de suivre son discours. Je pense que tout est là.